Yo les Jellies, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture très simple, vous l'avez compris au titre et à la miniature, de display, l'aube de la majesté, donc Dama. L'objectif c'est quoi? C'est, je compte jouer Despia Variant. Je vous ferai sûrement un deck profile très bientôt d'ailleurs. Il me manque des cartes, voilà, idéalement, là j'ai déjà deux Alubert, idéalement il m'en faudrait un troisième. Je pense ne le jouer que x2 en un premier temps, donc pour l'instant ça ira. Mais genre si j'en ai trois, c'est mieux niveau souplesse. Et surtout il me manque une des fusions qui l'ont et en super et que je n'ai pas eu. Donc il me la faut, tout simplement. On ouvre des displays, si vous voulez une ouverture très détaillée de tout ce qu'il y aura à l'intérieur. J'ai déjà fait une ouverture avec Konami il y a quelques temps, où je prends le temps de vous lire les cartes, de vous expliquer des effets et tout. Et c'est une vidéo très chill, là du coup on va plus être sur une vidéo très rush. J'ai 48 boosters à ouvrir avec vous aujourd'hui, 24 par boîte. Donc voilà, on va rush tout simplement. Si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement et c'est parti, on ouvre ces deux displays. Bon, c'est parti, petit coup de ciseaux dans ces deux displays qui étaient scellés et qui ne le seront plus maintenant. J'ouvre tout ça, je sors les 48 boosters et on s'ouvre tout ça ensemble. Je vous mets ça en accéléré parce que ça risque d'être un petit peu chiant pour vous. Ok, donc avouez que c'est quand même assez satisfaisant cette petite boîte avec full booster comme ça. Il y en a une partie qui passait pas et bon, on va tout simplement commencer par eux. Hein. Hop, le bordel. Oh bah on commence avec une secret rare, messieurs, dames. Première secret rare de l'ouverture, donc c'est une insecte, c'est le Coléoptroupe. C'est pas ce qui m'intéresse, mais ça reste une secret, donc pourquoi pas, je prends. Hop, ouverture du marqué qui est une super... Bon, encore une fois, hein, les communes, etc., c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je cherche, c'est compléter les cartes qu'il me manque et avancer sur cette petite ouverture. Donc, on va se faire ça rush. Ça me permet de vous parler un petit peu. Hop, une petite ultra. Tac, c'est du coléotrope. Encore une fois, c'est une display coléotrope. Je check quand même au cas où il n'y a pas des communes qui m'intéressent, même si j'ai déjà ouvert quand même pas mal le display. Il me manque encore des cartes, malgré le fait que j'ai ouvert pas mal de display. Et ben c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais bon, checkons jamais, on sait jamais. Tu sais, c'est un malentendu, il y a deux secrets dans le même booster. Non, personne n'y croit ça. La nouvelle magie Leftwing, qui est plutôt pas mal. Bon, logiquement, on devrait avoir 8 ultras et 2 secrets. Ben voilà, on a nos deux secrets. l'arrivée dans la lumière, c'est Yori qui va être content parce que je crois qu'il ne l'a pas en photo et elle est très belle, ça rend très bien, les designs un peu épurés comme ça, avouez ça rend trop bien en secret. Tac, on a nos deux secrets. Enchaînons, bon ça m'arrange pas parce que du coup je ne vais probablement pas avoir le Albaz, la Lubert, il m'en manque quand même un. Et il ne reste plus que deux à ouvrir. Ah mais ça c'était la Despia qu'il me manquait. Je suis très content, voilà, on va faire les présentations. Tac, toi, vous allez ensemble, et maintenant il me manque lui, voilà, si jamais, vous... ou elle, éventuellement, mais si jamais lui pouvait tomber, ça serait une très bonne chose. Bon, je suis content d'avoir fait tomber ça, c'est quand même ouf que j'ai déjà ouvert, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà ouvert 4 displays, donc plus 2 aujourd'hui, et c'est la première fois qu'elle tombe, donc ça c'est incroyable. Vous savez quoi, je l'avais avec les secrets, tellement que je suis content qu'elle soit tombée. Du coup, si on pourrait avoir une deuxième qui tombe, ce serait vraiment une bonne chose. Bon, des sushis, tout ça, on s'en fout un petit peu. Un petit Alubert, ce serait cool en vrai. Une Starlight aussi, sinon. Mais en vrai, je préférerais mille fois avoir un Alubert et la Despia en level 8 en ultra là, plutôt que d'avoir une Starlight. Magie incroyable. Franchement, je me demande en combien de temps, genre là j'ai le temps de vous parler et tout, mais en combien de temps on va rush ces 48 boosters. Certains vont dire, non mais imagine, tu te rends compte, tu ouvres 48 boosters, genre s'il y a trop de personnes qui veulent faire ça, et oui, je suis d'accord, il y a plein de personnes qui aimeraient faire ça, et tu fais ça genre comme un sagouin, tu vois. Dites-vous juste que j'ai déjà ouvert pas mal le display, là tout de suite, hop, petite ultra, elle est pas mal celle-là en plus. J'ai déjà ouvert pas mal de display, donc il n'y a plus vraiment de surprise. Je connais les cartes, je connais les ratios, je connais tout ça. Et du coup, les troupes. Et donc, du coup, voilà, il n'y a pas de surprise particulière. La seule chose qui m'intéresse, maintenant, c'est de choper ce qu'il me manque, en fait, tout simplement. Lien pomme. Alors, lien pomme, je prends juste 2 minutes pour vous la lire. Parce que elle a un potentiel. Vous pouvez révéler cette carte depuis votre main. Bannissez face recto une carte face verso au hasard depuis votre hexadeck, puis invoquez spécialement cette carte si la carte bannie est un monstre lien. Sinon, défaussez cette carte et si vous le faites, piochez une carte. Donc en fait, ça fait du... Soit ça fait du sp 1, soit ça fait du pioche 1 en défaussant. Donc c'est soit du 0, soit du plus 1 sur ton terrain. La carte n'est pas
incroyable, mais en vrai je m'en gardais un playset parce que elle a genre tu sais une sorte de petit potentiel, petit ultra. C'est fou parce que je n'ai que des cartes dont je n'ai pas envie pour l'instant. Esprit protecteur qu'on avait déjà eu dans l'ouverture que j'ai fait avec avec Konami d'ailleurs, tiens. Hop, du teint d'angle. Teint d'angle, je crois que c'est vraiment la pire super que tu peux espérer drop. Du Gizmec, il y a pas mal de support Gizmec mine de rien dans cette extension. Si j'ouvre les boosters comme un port comme ça et que je tombe sur une Starlight, ça serait pas mérité. Genre pour toutes les fois où j'ai ouvert des boosters en prenant soin et tout, là ça serait vraiment pas mérité en vrai. Ah, mais tu vois, je le disais, je suis content, c'est une des seules cartes qui m'intéressait, je suis content. J'ai eu celle-là, je suis content. Maintenant, j'aimerais bien un petit Alubert. Ça me ferait plaisir, un petit Alubert. La comédie d'Espia, pourquoi pas. Elle est pas folle, elle, pour l'instant. Je suis pas trop fan, en tout cas. Du Day Gusto, qui est du support pas trop mal, visiblement. Je sais que ça a l'air intéressant, en tout cas. Hop, pomme lien. Ben, voici la deuxième. Franchement, si je récupère trop dans cette display, ça m'évitera de devoir la chercher et tout, ça serait vraiment plus simple. Renversement. D'ailleurs, elle a un petit potentiel, on est d'accord. Genre, cette carte-là, sur un malentendu, elle fait des trucs cool. Techniquement, il nous reste deux secrets. Pardon, elle vient là. Il nous reste deux secrets, techniquement, et il nous reste... je sais pas combien de booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, mais en fait, il nous reste quasiment une display. Quasiment une display, et j'ai eu des cartes pas mal, donc c'est plutôt cool. Tiens, un Gizmec en ultra. Alors lui, je ne l'ai pas encore eu une seule fois, donc je vais vous le lire, tout simplement. On va prendre un petit peu de temps, tiens. Cette carte invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez prendre un monstre machine dont l'attaque est égale à sa propre défense dans votre deck et placez-le au-dessus de votre deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre machine dont l'attaque est égale à sa propre défense, invoquez-le spécialement en position de défense. Pourquoi pas? En gros, c'est vraiment cibler Gizmec, tu vois. Genre, ça n'a d'intérêt et de puissance que pour les Gizmec, je pense. Après, il y a peut-être des cartes, genre, on n'y a pas pensé, et c'est des Gizmec, et c'est pas des Gizmec, et du coup, c'est des machines qui ont même attaque, même défense, et ça va turbo des trucs intéressants. Pourquoi pas? Mais je t'avoue que là, tout de suite, je vois pas. Mais c'est cool qu'ils aient sorti du support Gizmec, je pensais pas qu'ils allaient... Oh! Yes! Ah bah là, je suis refait les potes. Franchement, j'attends plus rien. J'attends plus rien de cette ouverture-là. J'ai eu mes 3 Alubert. J'ai toutes les cartes qu'il me manquait. Je suis refait. Allez hop, on continue avec les ultras. Alors où est-ce qu'on en est? Il nous manque une secret. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous manque 2 ultras et une secret. À tout moment, là, ça fait partie des meilleures ouvertures de ma vie, je pense. Genre, j'ai un objectif, il est rempli. Je suis content. J'ai un objectif, il est rempli, je suis content. Tu vois, ça c'est le fait d'avoir pris le temps de lire certaines cartes, je pense. Hop, la dernière secrète qui est là. Sûrement une des meilleures secrètes de l'extension. MP l'Iris. MP l'Iris, pardon. Durant votre main phase, si un monstre dont un effet est annulé sur le terrain, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez activer un de ses effets d'où ils ont été invoqués spécialement. La main, tu peux invoquer spécialement un monstre depuis ta main. Le deck, tu peux piocher 2 cartes. Ça, c'est incroyable. Extra death, détruisez un monstre face recto invoqué spécialement depuis l'extra deck. Juste, c'est super fort. Genre, ça, c'est incroyablement puissant. Ça va être un staple, clairement. Ça va être un staple, pourquoi? Parce que il faut une condition qui me fait un rappel un peu TTT, tu vois. Mais la condition, c'est durant votre main phase, si un monstre dont les effets ont été annulés. Genre, qu'est-ce qui... Quand, tu vois, genre, à quel moment? Mais est-ce que tu peux annuler toi-même tes effets? Genre, il n'y a pas d'effet par l'adversaire, tu vois. Donc, est-ce que tu peux pas proc tes propres effets? Genre, franchement, je pense que cette carte-là, elle a un gros potentiel. On verra si je mens, si j'ai raison, si j'ai tort. Mais pour moi, cette carte-là, si vous la droppez, bah, gardez-la, tout simplement, parce qu'elle a un bon petit potentiel. Bon, techniquement, il nous manque 2 ultras. Et on a eu nos 3 secrets, dont la secret que je voulais faire tomber, donc je suis content. Et on continue avec les Gizmec. Ils n'ont plus qu'une seule ultra, du coup. Tac. Le Alubert, je suis trop content. Genre, en vrai, on n'en a pas eu beaucoup. On en a eu 2 en 4 displays, du coup. Donc là, on en aura eu... bon, en gros, ils tombent une fois toutes les 3 displays, du coup.
Bon, une fois toutes les deux displays, bon, c'est pas mal en soi. Mais je suis trop content. Je suis trop content parce que je sais que d'autres ont ouvert pas mal de displays et l'ont pas eu. Genre, bon, putain, on a eu les pires ultras par contre. L'esprit protecteur, en vrai, je suis pas refait du tout de l'avoir fait tomber. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, je suis content. Voilà, c'est vraiment le résumé de cette ouverture. Je suis content d'avoir fait tomber ce que je cherchais, tout simplement. Mon deck est complet. J'ai même un peu de marge au niveau du deck build, puisque je suis pas sûr de jouer à l'Uber en 3-3, donc j'ai un petit peu de marge. Mais surtout, il me manquait celle-ci. Et celle-ci, j'ai potentiellement la jouer x2, tu vois. Genre, c'est un peu une sorte de target super poli. Genre, pourquoi pas, en vrai. Et dernier booster, du coup, c'est 48 boosters, mais cette ouverture était rentable. D'un point de vue, j'ai eu ce que je cherchais. Par contre, juste truc de ouf, les short prints s'est arrêté. Une seule en 5 displays. Est-ce que 6 displays, pardon, 6 displays. Est-ce qu'on en parle? Une seule en 6 displays. La probabilité, sérieusement. Incroyable. Bref, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu le petit iris là qui est incroyable. Je suis très content. Bon, vous l'aurez compris, je suis content de cette ouverture-là. J'ai enfin mon playset d'Alubert. Je pense sincèrement que cet archétype a tout pour être méta. Personnellement, je le joue mixé avec deux autres archétypes. Et je vous ai fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps, assez rapide, avec Invoked et Dogma. Les trois matchent très bien ensemble. Je vais vous faire un deck profile dans pas longtemps. J'ai beaucoup deck build, le deck, je ne vous cache pas. J'ai trouvé des tricks qui étaient super intéressants avec le deck en lui-même, avec les supports mélangés. Ça matche bien ensemble, mine de rien. Et voilà, j'étais vraiment... Je voulais vraiment ce playset là et je suis content. C'est sûrement une des vidéos où c'est rare que je fasse une vidéo où je me dis ok, à la fin de la vidéo, j'ai ouvert mes displays et j'ai tout ce qu'il me fallait. Je suis refait, franchement, dans le meilleur des mondes, j'aurais eu celle-là en un autre exemplaire. Mais en vrai, je suis pas certain que ça soit fort de la jouer en plusieurs exemplaires. C'est quand même un level 8, tu vois, genre ça peut être une brique. Voilà, pas grand-chose à vous dire de plus. Je suis content d'avoir fait cette ouverture avec vous. C'était un peu rush, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais en même temps, ça reste quand même plutôt cool. Si ça vous a plu, comme d'hab, le pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi que vous m'aviez prédit une super ouverture. J'ai pas eu Starlight, mais en vrai, je suis trop content d'avoir mon playset d'Alubert, donc je vais pas chercher plus loin. Voilà, je vous embête pas plus. Prenez soin de vous, faites nombre de duels et classez une carte. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao!